This is a library-related talk and a library-related session, and many of you are library people in this room. I wanted to remind you that there is a lunch for the library's user group in Joyce Jerry at 12:30 on level A. So come join us. There'll be a buffet set up outside, like the normal lunch. Grab your food and come join us in that room, and we will all get to meet each other then. But now I think let's get started with the talk. Thank you very much. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est effectivement Yvan Fillon, je suis directeur de Bibliothèque de Montréal. Très heureux d'être parmi vous ce matin, cette fin d'avant-midi. En premier temps, je suis curieux de savoir les gens à main levée qui travaillent dans le monde des bibliothèques. Je veux juste avoir une idée. Bibliothèque publique, quand même une majorité. Les autres milieux, on n'est pas nombreux, on peut prendre quelques secondes. Juste de quel milieu? Quelle va être l'implication au niveau de Wiki? Éducation? Ben merci. Donc, en commençant, quelques informations sur le réseau des bibliothèques de Montréal. Donc, on est un réseau de 45 bibliothèques qui est réparti dans les 19 arrondissements de Montréal. L'année passée, on a eu 8,1 millions de visiteurs en bibliothèque, un petit peu plus, 8,8 millions de visiteurs en ligne. Une statistique que j'aime bien, c'est le nombre de participants à nos activités en bibliothèque, au-dessus de 577 000. Ça incarne bien la vision et le rôle des bibliothèques dans le 21e siècle. Évidemment, le prêt de documents, très important, près de 12 millions. À cela s'ajoute pour les Montréalais l'offre de la grande bibliothèque de B1Q, qui agit à titre de bibliothèque centrale pour Montréal. Alors, les bibliothèques et Wikipédia, est-ce que c'est une histoire d'amour? On connaît la campagne « Wikipédia aime les bibliothèques ». On dit, du moins certains, que les bibliothèques aiment Wikipédia, mais sauf certaines, ce ne fut pas le coup de foudre au départ. Loin de là. La première action du monde des bibliothèques, lors de la naissance de Wiki en 2001, a été très négative. D'ailleurs, à partir de 2005, plusieurs études en sciences de l'information analysent ce projet d'encyclopédie collaborative et questionnent la qualité du contenu de Wiki, en remettant en question son étendue, son actualité, sa fiabilité, ainsi que son statut d'ouvrage de référence au sens habituel du terme. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait d'une part une méfiance sur la qualité. Il faut se rappeler, on est dans les premières années de Wiki, on en a parlé ce matin. Mais d'autre part, il faut quand même admettre que pour les bibliothèques, les bibliothécaires, ça bouleversait un petit peu leur habitude. Ça remettait en question le rôle de la bibliothèque et le rôle du bibliothécaire. N'empêche que quelques années plus tard, à partir de 2010, des projets de type GLAM démarrent à la British Library avec une première expérience de Wikipédienne en résidence, ce qui a relevé de nombreuses opportunités de collaboration entre Wiki et les institutions de mémoire. Les avantages en termes de valorisation du patrimoine et des collections numériques ont contribué à dissiper la méfiance, en même temps que les réserves sur la qualité du contenu qui ont tendance à s'estomper à ce moment-là. Il y a eu d'autres initiatives à une échelle locale qui impliquaient les bibliothèques universitaires et publiques. Ça a pris forme autour de 2012, surtout par le biais de journées contributives et d'éditatons, des marathons d'édition, des activités qui continuent aujourd'hui à se multiplier à travers le monde. Donc, les premiers rendez-vous au Québec. C'est d'abord par le biais de journées contributives à l'échelle locale que seront scellées les premières collaborations entre Wikipédia et le monde des bibliothèques. La première qu'on a recensée, c'est une journée contributive consacrée à Jean Talon, le premier intendant de Nouvelle-France, qui s'est déroulée à la bibliothèque de l'Université Laval en février 2012. Une année plus tard, à la bibliothèque Mylan, aujourd'hui Mordecai Richler à Montréal, se tient la première activité d'éditaton en bibliothèque publique au Québec. L'activité apporte à l'époque sur le projet Mylan, c'est soutenu par l'organisme Mémoire du Mylan et Wikimedia Canada. La bibliothèque a mis son espace et la documentation sur le quartier à la disposition des citoyens, et il y avait un bibliothécaire du réseau qui a participé à l'activité. On le verra plus tard, ce type d'activité avec les organismes du quartier, c'est très prometteur et c'est très gagnant. Plus tard, la même année, lors d'une journée dans le cadre du Mois international de la contribution francophone à B1Q, il y a lieu un atelier de contribution qui va initier une longue collaboration soutenue entre cette institution et la Fondation Wikimedia. On en a parlé un petit peu, effectivement, ce matin, lors de la conférence d'ouverture. Le premier événement B1Q est en quelque sorte l'ancêtre des Mardis Wiki, qui se tiennent tous les premiers mardis du mois depuis 2014.
Depuis, BNQ est devenu un des partenaires canadiens les plus actifs dans les projets de type GLAM. Donc, on est 2012-2013, plus de 10 ans après la création de Wiki, et c'est là qu'on voit les premières initiatives au Québec apparaître. Ce qui est intéressant, c'est que ces initiatives-là sont encore aujourd'hui bien en vie, où on fait des petits, puis qu'on voit là qu'il y a un lien très clair entre les premières initiatives autour de 2012-2013. Au niveau international, les dernières années ont été assez favorables à la collaboration entre Wiki et les bibliothèques. IFLA, l'International Federation of Library Associations, a produit en 2016 une étude d'opportunité sur les bénéfices d'une collaboration avec Wikipédia et elle a invité les bibliothécaires à s'engager davantage pour faire de leur bibliothèque une bibliothèque wikipédienne. Ils ont proposé des exemples d'activités que vous voyez à l'écran, mais l'argumentaire a mis l'emphase sur l'importance de l'outil Wikipédia comme une source d'information, mais aussi en tant que plateforme pour la culture et les connaissances locales qui sont supportées par les bibliothèques publiques. Au même moment que l'IFLA lançait ce document, il y a eu une campagne par la Fédération, une seconde campagne de contribution mondiale auprès de la communauté des bibliothécaires. La campagne a encouragé les bibliothécaires à ajouter une source, au moins une, dans l'encyclopédie. Imaginez un monde où chaque bibliothécaire ajoutait une référence à Wikipédia, disait l'accroche de cette campagne. OCLC. Donc, plus récemment, avec OCLC, qui est Online Computer Library Center, c'est une organisation à but non lucratif mondial au service des bibliothèques, ils ont lancé le projet Wikipédia plus bibliothèque, dans le but de renforcer les liens entre les bibliothèques publiques américaines et Wikipédia. Si OCLC était une marieuse ou un site de rencontre, c'est certain qu'ils matcheraient les bibliothèques et Wiki. Pour eux, c'est un match parfait. Quelques exemples de projets que OCLC et Wiki, la bibliothèque Wiki entre autres, ils travaillent ensemble pour permettre aux éditeurs de relier facilement des citations dans Wikipédia à des millions de documents de bibliothèques représentés dans WorldCat. WorldCat, c'est la plus grande base de données du monde d'information sur les collections de bibliothèques. OCLC va également offrir une formation en ligne gratuite de 10 semaines auprès des 500 membres du personnel des bibliothèques américaines. C'est un projet qui est financé par la Fondation Wiki et la Fondation Knight. Donc, on assiste à l'émergence d'initiatives qui sont de plus en plus structurées et qui sont mises en place par le milieu des bibliothèques eux-mêmes, à travers les associations, soit locales ou internationales. Alors, les raisons pour lesquelles les bibliothèques aiment ou devraient aimer Wikipédia. Et pour moi, c'est l'essentiel du message de ce matin. Premièrement, la convergence des missions. On sait quand on fait un partenariat, peu importe le domaine, la chose la plus importante, c'est s'assurer que notre mission, notre vision sont en convergence avec l'organisme qu'on veut faire un partenariat. Puis, au niveau de Wiki et des bibliothèques, le partenariat, la mission, la vision, les valeurs, c'est très fort, il y a une forte convergence et c'est l'accès libre et universel à la connaissance. C'est vraiment ce qui nous rejoint le plus. La vision de la Fondation, imaginez un monde où chaque être humain peut librement prendre part à l'intégralité des connaissances humaines. C'est notre engagement. Au niveau de la mission, de donner des possibilités aux personnes du monde entier de collecter, développer du contenu éducatif sous licence libre ou se trouvant dans le domaine public et de distribuer ce contenu efficacement et globalement. Donc, pour les bibliothécaires, là, on voit beaucoup de points de convergence. Un exemple de notre mission à Montréal, mais les bibliothèques publiques ont souvent des missions qui sont inspirées de celles de l'UNESCO. Passionnément engagés dans nos quartiers, on aurait pu dire notre communauté, les bibliothèques de Montréal offrent à tous un accès à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et aux loisirs. Parmi nos valeurs, on retrouve la collaboration et la liberté intellectuelle. Donc, convergence des missions. Connaissance fiable. On en a parlé également ce matin, les Wikipédiens, comme les bibliothécaires, aiment la connaissance fiable. Et c'est particulièrement important à cette époque de post-vérité, de fake news, de s'assurer que les citoyens soient en mesure d'avoir une réflexion critique sur les sources d'information et avoir des sources d'information fiables. Valorisation des collections. Les activités wikipédiennes constituent une belle opportunité pour utiliser les collections et les ressources de la bibliothèque et d'en favoriser la diffusion et la visibilité auprès d'un public plus large. Littératie de l'information.
Puis ça, c'est intéressant parce que dans un article récent, on indiquait que 96 % des instructeurs dans le milieu universitaire estiment que Wikipédia est plus utile pour enseigner la littératie de l'information que les exercices ou les travaux habituels. Fait que c'est des activités qui deviennent donc un excellent tremplin pour améliorer les compétences en littératie de l'information auprès du public. Littératie numérique, c'est un des points importants de la mission des bibliothèques publiques récemment. Les usagers, on le sait, qui fréquentent nos bibliothèques ont souvent besoin d'accompagnement pour l'utilisation des technologies du web. Alors, les ateliers Wikipédia deviennent de belles occasions de pratiquer des interventions en littératie numérique. Ce qu'il faut noter, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement motivé en premier lieu de dire « je vais prendre un cours de littératie numérique, je vais venir en bibliothèque pour ça », il ne va peut-être pas s'inscrire, mais s'il a un but, un objectif, comme partager du contenu qui lui tient à cœur, bien là, à ce moment-là, il va être motivé à venir à cet atelier-là et on va avoir le goût d'apprendre à utiliser les technologies. Donc, c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. La référence vivante, bien, en bibliothèque, on le sait, nos ouvrages de référence traditionnels tendent à disparaître des rayons et la contribution avec Wiki, c'est une manière de renouveler la référence. Et c'est tout à fait adapté pour les besoins d'information locale. Bibliothèque éditrice et créatrice, ces activités s'inscrivent dans l'approche de la bibliothèque 21e siècle. On supporte, on veut, on a une vision d'une bibliothèque comme un makerspace, un lieu d'apprentissage actif et un lieu de création de contenu. Donc, on peut imaginer le lien là, assez facilement avec Wiki. Des nouveaux publics pour les deux, ça c'est encore une fois gagnant-gagnant, la venue des Wikipédiens amène de nouveaux usagers en bibliothèque. La tenue d'événements amis de Wikipédia est susceptible de générer de nouveaux contributeurs qui sont, eux, appelés à devenir de nouveaux utilisateurs des bibliothèques. Le rôle communautaire et le rôle social, c'est un volet important de la bibliothèque publique. Donc, rôle communautaire, le partenariat, les travaux avec Wikipédia favorisent la célébration de la communauté et du sentiment d'appartenance à son quartier, à sa communauté, en soutenant des projets territoriaux de contribution. Ça peut porter sur des sujets qui intéressent la communauté ou qui concernent l'identité locale. On le voit comme à Montréal, on a 45 bibliothèques qui sont bien implantées dans chacun des quartiers, fait que c'est un lien qui est tout à fait naturel. Inclusion sociale, ça favorise aussi de façon explicite l'inclusion lorsque les projets qui sont mis sur pied concernent la mise en valeur des communautés qui peuvent être prises avec des obstacles systémiques. On peut penser à des projets qui ont eu lieu comme des éditions féministes ou qui portent sur les Premières Nations. Donc, c'est un top 10, il pourrait y avoir sûrement d'autres raisons, mais à partir de ces éléments-là, lorsque les gens se demandent, bon, les bibliothèques, pourquoi on devrait s'impliquer ou faire des choses avec Wikipédia, ça me semble 10 raisons assez fortes. Alors, plus récemment à Montréal, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, au début de 2016, on a lancé un appel aux bibliothèques du Réseau de Montréal afin d'offrir des ateliers de contribution qui auraient lieu les derniers jeudis du mois. Le programme s'est appelé « Jeudi, c'est Wiki » et vous avez compris, c'était une alternative, un clin d'œil au « Mardi, c'est Wiki » offert à la BNQ. Les bibliothécaires du Réseau, quand on a fait l'offre, ils ont répondu très rapidement, puis le calendrier 2016 a affiché complet avec une douzaine d'activités durant l'année. Donc, on le voit, il y avait un intérêt déjà de la part des bibliothécaires. On voit ici quelques exemples d'activités qui ont lieu dans les bibliothèques. Ça pouvait être pour célébrer l'anniversaire, le 50e anniversaire d'une bibliothèque, avec la Société d'histoire ANSIC, sur les femmes célèbres du quartier. Donc, on voit un des points en commun, malgré tout, la diversité des activités, c'est le lien avec quelque chose de local, avec les gens de la communauté. Ces initiatives ont été menées dans la plupart des cas en collaboration avec le Café des savoirs libres, un collectif qui rassemble principalement des bibliothécaires passionnés et engagés. On va en parler un petit peu plus tard dans une autre conférence. En moyenne, on compte une douzaine de participants à ces événements-là, et ça se compare à peu près à ce qu'on peut retrouver dans un club de lecture traditionnel. D'autres exemples qui ont été réalisés récemment. En 2007, on a un petit peu changé la formule, puis les ateliers ont été simplement désignés comme Café des savoirs libres, et puis on avait un agenda plus flexible, ça n'avait pas nécessairement lieu les jeudis en soirée. Au total, au cours depuis 18 mois, c'est à peu près 20 ateliers qui ont été réalisés dans les bibliothèques de Montréal. Alors,
Quelles sont les particularités, à quoi on distingue les activités contributives qu'on a réalisées à Montréal? Je vais en parler plus rapidement parce que juste après moi, François Charbonnier et Marie Desmartel ont une communication où il va être justement question des différentes approches. Un élément qu'il faut prendre, qui ressort de nos activités, c'est que le fait que les formateurs et les participants se déplacent à chaque fois ou presque à chaque fois dans une nouvelle bibliothèque. Donc, le petit côté nomade de la communauté numérique ici. Il y a des exceptions. Mordecai Risler, qui était la première bibliothèque, si vous vous rappelez, à avoir fait une activité, eux ont planifié des activités Café Savoir Libre de façon régulière dans la programmation d'hiver. La formule aussi, c'est une formule conviviale. C'est une formule sur un peu de la base d'un café-conversation. Le fait que c'est de type café-conversation, ça se prête moins à un laboratoire informatique où il y a le professeur en avant, et les élèves derrière avec des ordinateurs. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'on prend on installe la philosophie d'un café et non cours, si je peux dire, là, traditionnel, il faut penser à l'aménagement, il faut le voir comment ça peut s'inscrire à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, ça, c'est un des éléments. L'autre élément aussi à prendre en considération, c'est que c'est pas tous les citoyens et les bibliothèques avaient des portables pour accueillir ces gens-là. Donc, on s'est équipé d'une flotte de portables qui est nomade également, qui va d'une bibliothèque à une autre. C'est une solution temporaire le temps qu'on puisse être en mesure d'équiper de façon plus importante les bibliothèques. Lorsqu'on fait un aménagement comme ça en bibliothèque pour un café d'un savoir libre, qu'on prend une salle, bien sûr, on informe les citoyens qui peuvent être présents, qui ne viennent pas pour l'activité, qui vont avoir une activité, mais ça peut leur permettre aussi au départ de juste d'écouter puis éventuellement participer et devenir des gens qui vont suivre les cafés des savoirs libres. Autre particularité ou élément à noter, c'est la collaboration entre Wikipédia et OpenStreetMap. Ça a ajouté à l'offre, à la proposition, la transmission des savoirs concernant la cartographie libre. Et partenariat avec les sociétés d'histoire, à chaque endroit où ils trouvaient une société d'histoire qui était active, qui était impliquée, les ateliers contributions ont suscité beaucoup d'intérêt de la part de la société, de la part des gens qui la fréquentent, puis de toutes sortes de possibilités entre la société d'histoire locale et les bibliothèques. Évidemment, en travaillant de cette façon-là aussi, avec différentes bibliothèques, ça a permis un co-apprentissage auprès du personnel des bibliothèques de Montréal. Au-delà de Montréal, les bibliothèques publiques du Québec ont également démontré leur intérêt à s'engager dans cette voie, et le président de la Fondation Wiki-Canada a été invité à relater les initiatives québécoises lors du rendez-vous des bibliothèques publiques de 2016, organisé par la BBQ et les bibliothèques de Montréal. Alors, les conditions gagnantes, ou on pourrait quasiment parler de conditions essentielles dans certains cas pour déployer ces activités-là en bibliothèque, bien, ça a l'air tout simple, mais d'une part, des heures d'ouverture qui se déroulent en soirée. Les activités sont principalement en soirée, donc il faut des heures d'ouverture assez étendues en soirée pour accueillir cette activité-là. Les équipements, on en a parlé tantôt, des portables, du Wi-Fi. Un espace. L'espace, on pense automatiquement, quand on part un projet comme ça, à un laboratoire informatique, mais dans le format café et plus convivial, c'est mieux de faire c'est plus optimal dans un espace ouvert dans la bibliothèque. Puis comme je le mentionnais, oui, il y a la relation avec les autres citoyens qui sont sur place, les autres utilisateurs, mais ça favorise vraiment plus la collaboration, la participation, la contribution de chacun sous cette forme-là. La mobilisation du personnel. On l'a vu quand on l'a fait une première offre, les bibliothécaires étaient très intéressés, ils ont répondu rapidement, mais il peut tout de même avoir un certain nombre d'enjeux. Donc, une des choses qu'il faut faire, c'est d'offrir de la formation, s'assurer que les gens soient bien formés sur, d'une part, les rudiments de la contribution, mais c'est aussi important, sinon plus, je dirais, sur l'approche, la philosophie, soit celle d'une nouvelle relation de collaboration et de co-création entre la bibliothèque, les citoyens et les organismes. Puis partenariat, mais j'en ai parlé un petit peu précédemment. Merci. Donc, quelques pistes pour conclure. Les pistes qui sont explorées ici pour la suite des projets des bibliothèques de Montréal ou Wikipédine, ben, ça s'inscrit dans la continuité. Puis on est en phase avec les efforts plus structurés des associations locales, dis-je bien, et internationales.
Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est d'effectuer un nouvel appel à tous pour reprendre les ateliers contributifs mensuels dans les bibliothèques de Montréal. En lien avec la mobilisation du personnel, une journée de formation aux bibliothèques et Wikipédia. Donc, démystifier les rudiments de la contribution dans l'encyclopédie, exposer les opportunités de collaboration, ainsi que l'intérêt d'encourager l'émergence de projets de quartier, de communauté. Développer un réflexe wiki, entre autres lors d'initiatives événementielles. Lorsqu'on dit on va faire un projet wiki, on va déployer un nouveau projet, ça ajoute à la longue liste d'activités qui sont déjà programmées dans les bibliothèques. Mais si on est en mesure d'avoir le réflexe wiki, on peut, dans une programmation, une série d'activités, ajouter une activité wiki à l'intérieur de cette programmation-là. Ce qu'on a fait, par exemple, lors du mois de la BD lors d'une journée pour la journée des femmes, une activité pour la journée des femmes. Ce qu'on souhaiterait faire, par exemple, c'est un spécial Café des savoirs libres pour les 100 ans de la Bibliothèque de Montréal, la Bibliothèque centrale. Un atelier contributif thématique pour alimenter le contenu entourant l'histoire de la Bibliothèque centrale de Montréal qui fête son 100e anniversaire cette année. On pourrait, par exemple, à l'occasion d'une journée de réflexion, avoir des historiens des bibliothèques, des gens de la communauté des bibliothèques publiques et avoir donc cet atelier de contribution à Wiki. Miser sur la présence de la culture littéraire montréalaise et québécoise, ainsi que de l'histoire locale sur Wikipédia. Donc, travailler avec les organismes du milieu, autant au niveau de la promotion de la littérature, de l'Association des écrivains, que les associations locales. Les gens ont à cœur ce sujet-là et ils vont facilement contribuer et être impliqués si ça va les chercher dans leur champ d'intérêt. L'enrichissement de pages liées à la culture littéraire ou l'histoire locale offre des avenues donc, de collaboration passionnantes. Et en plus, c'est en phase avec la mission historique des bibliothèques. D'autant plus que les pages littéraires de Wikipédia contribuent désormais à une nouvelle manière de soutenir et de pratiquer la référence dans les réseaux. Puis, les bibliothèques et leurs lecteurs gagnent à y créer du contenu de qualité. Ça peut être des pages d'auteurs, des listes, peu importe. Puis, pour y trouver par la suite des ressources destinées à nourrir leur plaisir de lire. Donc, encore une fois, tout le monde est gagnant. Ce matin, ici, les bibliothécaires qui sont présents, fort probablement qui ont déjà un intérêt pour Wiki. Puis les autres personnes qui sont ici ont peut-être un intérêt pour les bibliothèques. Mais il faut trouver des façons de faire passer, à mon avis, ce message-là, puis l'importance de la collaboration au-delà d'une conférence qui attire des gens qui sont déjà impliqués. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir avec les associations québécoises ou avec le réseau pour mobiliser plus de gens à comprendre l'importance et la plus-value de collaborer de façon plus importante avec Wiki. Mais de façon générale, je suis convaincu, puis je crois qu'on peut dire que l'avenir des savoirs libres et des biens communs de la connaissance est prometteur dans le contexte d'une collaboration entre les deux. Et les projets de la Fondation Wikimedia et la Bibliothèque de Montréal, il y a énormément de potentiel, puis je vais essayer de filer la métaphore, là, c'est une histoire d'amour en devenir assez fantastique. En terminant, un petit mot, on a mentionné à quelques reprises, j'ai mentionné à quelques reprises l'importance de l'implication de l'engagement des bibliothécaires comme facteur de réussite. Puis je vous dis, à Montréal, on est chanceux, il y a beaucoup de ces bibliothécaires-là qui sont très engagés. Je ne parle pas juste à la ville, là, mais à Montréal. Mais je tiens à les remercier tous, mais je voudrais souligner l'engagement et la contribution d'une bibliothécaire en particulier pour, oui, les projets, mais également pour la présentation et, de ce matin. Marie Desmartel, un gros merci. Merci à tous. Je crois qu'il y avait quelques instants si pour des questions, commentaires, ou c'est terminé? Une question? Yann. Yeah. Oui? Donc, Yann, je vis en France, mm-hmm. pas loin de Genève, en Suisse. Donc, on essaie de faire des partenariats avec plusieurs bibliothèques à Genève. Donc, il y a une bibliothèque, c'est avec la bibliothèque d'art et d'histoire, c'est très positif. Ils nous ont accueilli deux fois pour faire un atelier et leur équipement et leurs ressources ont été très facilement à notre disposition. On a aussi essayé avec un partenariat avec la Bibliothèque universitaire de Genève, donc c'est la bibliothèque principale qui a un fonds d'à peu près 2 millions d'ouvrages. C'est une bibliothèque qui date de l'époque de Calvin, donc c'est ancien.
hésiter. Hein. L'autre expérience, c'est avec la Bibliothèque nationale de France, où il y a eu une dizaine d'années un partenariat provisoire avec Wikimedia France pour apporter des livres pour Wikisource, mais ça n'a pas duré, le partenariat n'a pas été renouvelé, et à mon avis, c'est un peu décevant au niveau du résultat. Et depuis, on n'a plus le partenariat, et pour vous être honnête, les réponses de la Bibliothèque nationale de France sont assez décevantes, tant au niveau de, des réponses, ils ne sont pas du tout intéressés pour travailler avec les projets Wikimedia. Et au niveau des droits aussi, ils ont des politiques de droits assez adaptées. Donc, je partie de charge de recettes pour. Oui. Oui, c'est au début de. Les enjeux pour les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires ou nationales, c'est effectivement très différent. Donc, ça peut être une façon peut-être de rejoindre un autre public aussi et un autre type de contenu à travailler avec les bibliothèques publiques. On me fait signe que c'est terminé. Alors, ben, merci. Est-ce qu'on doit utiliser cet ordinateur? Oui, Yvan, tu nous prêtes-tu ton ordi? C'est celui-là. Ah, OK. C'est parce qu'il nous avait dit qu'il fallait en apporter un. Ta présentation, on pourrait le mettre ici. Tu préfères que je dise là? Non, c'est pas ça, c'est que je me suis fou, j'ai mis mon... OK. Non, ça va, j'ai branché mon ordinateur. OK, tu prends tous les tirages, c'est toi? Ouais. Tu veux descendre des audios? Non. Non. Je viens de brancher l'ordinateur. Okay.